Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, Marine de DP d'Occupère. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas mise en vidéo. Je vais bien, je suis toujours en convalescence, donc je fais un petit peu de DP, pas beaucoup à mon goût, mais bon, j'essaie de faire ce que je peux. Sinon, niveau résine, j'ai tourné quelques stylets, je vous ai mis quelques exemplaires et quelques modèles hier sur ma page. Ce matin, il me restait de blings à tourner, donc je les ai tournés ce matin, donc il n'y aura plus qu'à les vernir pour mon mari. Et puis sinon, bah écoutez, j'occupe mes journées, hein, j'essaie de faire ce que je peux, j'essaie de marcher un peu. Bon, les nouvelles n'ont pas été très bonnes la semaine passée avec le neurochirurgien, mais bon, ça je m'en doutais un peu. C'est comme ça, on verra, il faut attendre. C'est très long, hein, une guérison de nerfs abîmée, il faut compter 4 à 6 mois, voire un an. Donc, ça engendre des douleurs que je n'avais pas avant, donc c'est un peu compliqué. Donc là, je pense que je vais prendre rendez-vous avec une assistante sociale de la CPAM pour faire un peu le point, parce que niveau emploi, mon neurochirurgien m'a dit que il n'y a pas de grande possibilité de ce que je vais pouvoir faire après, donc parce que je ne peux pas rester longtemps debout, je ne peux pas rester trop longtemps assise. La marche, c'est par petites courte distance, donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc les mois à venir vont être décisifs de savoir si je vais pouvoir reprendre une activité ou pas, mais bon, pour l'instant c'est pas au bout du jour, donc on va continuer la convalescence et puis on va voir. Enfin bref, restons motivés. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Donc là, le dernier défi que j'avais fait avec vous, c'était dessins animés Disney. J'avais fait une toile pour mon mari, c'était Ulysse 31, qu'il a kiffé. Donc je l'ai installé dans son petit coin gaming, et du coup il m'a demandé une nouvelle toile. Donc toujours basée sur les dessins animés des années 80, celui-ci c'est Capitaine Flamme. Donc il me l'a demandé en la même grandeur que l'autre. Donc je me suis, bien sûr, j'ai regardé sur alors vendeur rue à Cannes, parce que j'ai une amie, une de mes abonnées, pardon, Céline, qui se reconnaîtra, qui m'a dit que chez Huacan ça avait changé un peu, les toiles étaient de meilleure qualité. Donc du coup je me suis dit, allez, on va voir chez Huacan. Je sais que chez moi, Huacan c'est un de mes vendeurs favoris. J'adore la pose des diamants, j'adore les diamants, donc j'ai commandé chez eux. Donc on va faire le déballage ensemble. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'unboxing, donc si j'oublie des choses, ne m'en voulez pas. Bon, je vous mets en pause, je m'installe et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je vous montre la boîte à prix cher. Elle a même été recollée par la poste avec un autocollant de Colissimo. Donc vous voyez l'état. Bon, j'ai déjà pris une photo parce que je me dis que ça va être catastrophique. Enfin, j'espère pas. Je l'ai ouvert pour être sûr que c'était ça. Donc on y va. Donc voici les diamants. Donc là, on a une belle panel de couleurs. Donc là, ce que je vois, j'ai du noir 310. Bon, c'est du diamant carré, hein. Donc voilà, on va déballer les diamants sur la toile après, mais je peux vous dire que le sachet est bien lourd et bien rempli. Ensuite, nous avons un toolkit, donc toolkit de chez Huacan. Je vais le déballer parce que c'est un moment que je n'ai pas fait d'unboxing. Alors, on a la grande barquette. Ah, effectivement, la barquette a changé, elle est de meilleure qualité. Bon, elle est un petit peu abîmée. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, là, elle est un peu abîmée, mais bon, ça, je n'aime pas plus que ça, je donnerai un petit coup de lime dessus. Elle est beaucoup plus épaisse qu'avant, je trouve, elle est plus haute à ce niveau-là. Le bec est bien plus long aussi, je ne sais pas si vous voyez, ouais, le bec est beaucoup plus long. Et elle est bien, alors attendez que je vous montre, elle est bien plate, hein. Elle n'a pas trop subi. Donc ensuite, nous avons un multiplaceur de 10. Mais moi, je ne les utilise pas, ces places multiplaceurs. Nous avons un stylet avec une petite mousse, un multiplaceur de 4 que j'utilise énormément, et un simple. Bon, vous savez que les stylets, moi, comme ça, je ne les utilise pas puisque je fais mes stylets moi-même. Donc, j'en ai pas besoin. Je récupère juste l'embout ici et l'embout là. Les petites mousses, c'est pareil, je ne les garde pas. Nous avons une pince. Donc, chez Huacan, c'est des belles pinces. Vous voyez, elles sont vraiment bien, elles sont très pointues. Le seul hic que je leur donnerai
au niveau de ces pinces, c'est qu'avec l'utilité, le temps, cette partie-là, elle fait mal aux doigts. Je sais pas si vous la voyez, ouais. Cette partie-là, là, à force de la tenir, ça fait mal aux doigts. Donc, je les utilise pratiquement plus, celles-là non plus. Je les fais en résine. Moi, j'ai acheté des pinces très très longues. Pas du tout le même modèle. Attendez, je vais aller en chercher une. Je vais vous montrer. Qui est forcément custom. Hein. Vous me connaissez. Moi, je ne sais pas faire sans custom. Hop. Donc, ça, c'est la pince du Hakan. Et ça, c'est les pinces que j'achète. Donc, vous voyez déjà, au niveau de la longueur, ce n'est pas du tout la même longueur. Au niveau de la largeur, c'est pareil. Ce n'est pas du tout la même largeur. Il n'y a pas de rebord ici. Elle est très longue et elle est super légère. On ne la sent même pas. Franchement, j'adore ces pinces-là. Et en plus, custom, elles sont vraiment belles. Hein. Là, j'ai fait une en grenage et or. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. Hop. Pareil de ce côté, en grenage et or. Elles sont vraiment belles, hein, et elles sont très bien travaillées au niveau de la résine, celles-ci, je les adore. Franchement, je vous mettrai quelques modèles sur ma page aussi. Donc voilà, ça c'est la mienne. Donc la petite pince de chez Wacan. Pain de cire, donc on voit qu'elle est bien, bien opaque. Donc celle-là, elle est vachement bien. Celle-là, quand elles sont opaques comme ça, elles sont utilitaires, enfin, elles sont vraiment une bonne qualité. Hein. Donc on en a de coller ensemble. Donc voilà pour le toolkit. C'est un bon toolkit chez Wacana. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hop, ils ont même changé ça chez cette fois-ci. Il est beaucoup plus grand. Voilà. Et on y va pour découvrir la toile. Oh là là. Oh là là, je vois déjà quelque chose qui ne me plaît pas à ce niveau-là. Vous voyez, il y a une bosse là et une bosse là. Sinon, le rebord, ça peut aller. Et le rebord ici, ça peut aller. Donc, c'est une 60 par 80. Hop, 60 par 80. Il y a 47 couleurs. Et je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, ouais, dans le mauvais sens. Parce que chez Huacan, nous n'avons pas de feuille de route. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'image de Capitaine Flamme. On va la déballer ensemble. Donc, ouais, je disais, vous n'avez pas de feuille de route chez Huacan. Donc, du coup, comme il y a, désolé pour le bruit, comme il n'y a pas de feuille de route chez Wacan, sur la toile, nous avons deux diagrammes, un en haut à gauche et un en bas à droite. Donc, on enlève le petit scotch sans abîmer la toile autant que possible. Voilà. On enlève le petit scotch parce qu'il n'est pas très agréable. Du tout, j'arriverai pas à l'enlever. Donc, quand on déballe une toile, première chose à faire, je vais reprendre la petite barquette, c'est faire les quatre coins. Donc, les quatre coins, hop, on déballe tout doucement, sans se précipiter, parce que c'est la précipitation qui forme les bulles, puisque les toiles sont restées enfermées et roulées pendant un certain temps. Donc, on enlève les quatre côtés, hop, et on rabat. Décaler un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Pour ce côté-là. Et on déballe tout doucement pour éviter de provoquer des rivières. Elle est bien grande. Hein. Je vais devoir. Ouais. Hop. Voilà. Hop. On déballe le côté ici. Je suis désolée, vous ne voyez pas bien, je vais vous reculer un peu. Mais je fais tout de suite mes quatre côtés pour ne pas abîmer ma toile. Bon, elle est grande. Hein. Et effectivement, Céline, la toile, elle est coupée au ciseau et elle est crantelée sur tous les côtés. Bon, alors, je vais regarder comment je vais pouvoir faire pour que vous voyez bien. Je vous mets en pause 2 minutes. Bon, il est un peu compliqué cette fois-ci. Voilà, bon, je vous ai mis de façon que vous puissiez la voir. On ne se voit plus, mais au moins, vous voyez ma toile. Alors, on y va. Allez, on y va pour la première bande. Bon, je vais essayer de bien, bien tout remettre. Ils n'ont toujours pas décidé de faire de la colle coulée chez eux. Ce serait bien qu'ils changent un peu ce que vous voyez. Ouais, je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce qu'après, ça va être la misère pour tout remettre. Bon, pour l'instant, ce que je vois, les couleurs sont superbes. Les symboles sont très bien imprimés. Ouais. Bon, il va falloir que je la laisse à plat celle-là. Il n'y a pas de rivière, mais on voit que
dans le transport, elle a pris un peu cher. Hop. Bon, le rendu pour l'instant, moi, me plaît. Les couleurs aussi. Hop. Déjà, voici la moitié. Ouais, on voit bien. Hop. Bon, là, j'ai une toute petite rivière, mais toute petite. D'ailleurs, je vais la crever tout de suite. Voilà, c'est déjà fait comme ça. Hop. Voilà. Elle est vraiment belle, hein. Oh là là. Ouais, voilà, vous la voyez bien en plus. Bon, il y a un... Ils ont abusé sur la colle parce qu'il y en a sur au moins 1 cm de plus que sur la toile. Bien, c'est pas cool par contre. Devant ma du washi. Voilà. Et la dernière bande. Hop. On y va doucement. Elle est vraiment belle. Franchement, elle est magnifique. Donc, je vais essayer de vous la tourner. Vous la voyez mieux. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est le dessin animé Captain Flamme avec tous les personnages. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé des années 80. Vraiment, il est superbe. Oh, il est magnifique. J'ai tout, vraiment tout, tous les personnages. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer les symboles. Je vous promets rien, mais on va essayer. Hop. Alors, voyons voir. Voilà les symboles. Ils sont vraiment bien. C'est vraiment bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Ouais. Il est vraiment. Je suis très contente du rendu là. Vous voyez bien? Ouais. Donc vous voyez, il y a des endroits où il va falloir que vraiment je la mette sous du lourd parce qu'on voit, on voit la forme du rouleau, quoi. Donc il va falloir que je la mette sous du poids. De toute manière, elle n'est pas prévue d'être faite avant un petit moment parce que, comme vous le savez, j'ai lancé un défi de la rentrée sur Halloween. Donc il commence le... Je ne sais plus quelle date. Je crois, je ne sais plus exactement. Donc le défi d'Halloween qui va commencer. Ensuite, je vais mettre en route le défi de la grande toile de l'année scolaire. Donc c'est un défi sur l'année complète, l'année scolaire complète. Donc je vais l'enlever carrément celui-là parce qu'il a l'air incroyable déjà à la base. Qui va commencer le 18 septembre et qui se terminera le normalement le 10 juillet, je pense. Je crois que c'est le 10 juillet que j'ai dit. Mais je vais faire une petite vidéo explicative. Parce que c'est vrai que là, ça va être un très long défi sur l'année complète. Je l'ai fait exprès. Parce qu'on a toujours du mal à faire les grandes, grandes toiles. Et je me suis dit que ça pouvait être sympathique de le faire sur une année complète. Donc, du coup, il faut que je mette en route ça. Alors, attendez, parce que là, j'ai du mal à couler ma partie là. Je suis désolée, ça prend un peu de temps. Et je vais le faire vraiment avec vous pour montrer aux nouveaux abonnés. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que j'en avais encore des nouveaux qui étaient arrivés. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. J'essaie de varier, unboxing, petite vidéo, défi. Enfin, vous verrez au fur et à mesure du temps. Je vais essayer d'être un petit peu plus présent sur mes réseaux parce que c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été très très présente. Et j'en suis vraiment désolée, mais j'ai pris mon temps avec ma convalescence. Donc là, normalement, ça devrait aller de mieux en mieux. Donc, je vais pouvoir être plus présent sur mes réseaux Facebook, Insta et YouTube. Je vais essayer d'être un peu plus présente. C'est vrai que pour moi, c'est un peu compliqué de tourner ne serait-ce que des vidéos. Là, vous voyez. Je suis en train de remettre la bande, mais je fais des choses que je ne devrais pas parce que je me tire sur le dos et c'est pas top. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus présent. Essayer de faire un peu plus de vidéos. Unboxing, vous n'en aurez pas souvent parce que, comment dire, je n'achète pas beaucoup de toiles parce que j'ai une petite réserve et que je pense que c'est pas nécessaire en ce moment de commander parce que j'ai ce qu'il faut, donc je vois pas l'intérêt de recommander. Il faut déjà que je liquide un peu mon stock. Je n'ai pas grand chose en stock, je peux vous le dire. Je dois avoir une dizaine de toiles, c'est tout.
Donc voilà, elle est recollée. On va regarder ensemble les diamants. Donc je la retourne. Vous voyez, elle est un petit peu abîmée. Hein. Comme je vous disais, elle a les traces de rouleau. Il va vraiment falloir que je la laisse à plat un moment. Donc là, on enlève les bulles d'air. J'en profite. Je suis désolée du bruit. Je vais chasser toutes les bulles d'air. Là. Hop. Il y en a une ici. On voit bien là, ici. Là, ici aussi. Donc voilà, je pense que là c'est bon. Il va falloir que je laisse ça. Donc voilà, on va regarder les diamants ensemble. Alors, désolé pour le bruit, je vais essayer de me reculer un peu. Donc nous avions dit 47 couleurs. Donc quand vous commandez des toiles chez Huacan, vous avez toujours les diamants dans les sachets zip. Donc faites attention quand vous vérifiez vos diamants que les sachets, parce que des fois ils sont mal fermés, et du coup vous perdez des diamants. Mais là, ce n'est pas le cas, j'ai rien perdu. Donc on y va pour les couleurs. Donc 47, hein. On va d'abord les étaler. Hop, je vais les mettre comme ça. Donc j'ai une panelle de verre. Je vais vous montrer après. Hein. J'étale tout d'abord mes couleurs. Hop. Encore un vert là. Ici. Ensuite, les tons gris. Alors, des tons gris, j'en ai. Hein. Ça. Hop. Là, j'ai un gros paquet de vert aussi. Tac. Ensuite, j'ai du bleu. J'en ai un seul. Du noir. C'est du 310, ça? Ah non, même pas. C'est du 939. J'ai même pas de 310. Ah, oh, mais j'ai pas de 310. Ah, super. Donc ensuite, j'ai des oranges. Hop. Hop. Il y a bien longtemps que je n'avais pas fait d'unboxing. Je suis contente de le faire avec vous. Mon mari, j'ai eu son message. Je lui ai envoyé un petit message en lui disant que j'avais reçu sa toile. Alors, il m'a demandé tout de suite si j'avais vérifié que tout était bon. Je lui ai dit non, je vais faire un unboxing. Ah, ben, il sait bien, il y avait longtemps que tu n'en avais pas fait. Donc, des tons marron, des tons rosés. Hop, marron. Ah, j'ai pas mal de différentes couleurs là. Ouais. Hop, dans les tons rose, rose. Hop. Eh ben, il y a des couleurs. Hein. Hop. Ici, ensuite dans les tons comme ça, encore, hop, ça c'est pas du blanc, c'est du beige, hop, et ben, dans les marrons, j'ai une belle panelle, hein. Une panelle de couleurs. Bon, après, il y a quand même, je leur fais confiance parce que les diamants sont toujours très bien taillés. Franchement, j'ai jamais eu de problème de taille de diamant, même niveau, comment dire, quantité de diamants, j'en ai toujours eu assez. Jamais eu de réel souci. Et puis après, bon, moi j'ai une réserve, donc je peux me permettre. Donc voilà la panelle de couleurs. Vous voyez, une belle panelle de vert ici. Ensuite, une belle panelle de gris. Ensuite, dans les tons couleur chair et dans les tons roses ici. Et après, dans les tons marron. J'ai deux couleurs particulières, enfin particulières, un jaune et un violet. Donc ce que je vais faire, moi, comme j'ai une réserve, je vais regarder si j'ai pas un petit peu de AB. Pour incorporer dans la toile. Donc, je mettrai certainement du jaune et du violet AB. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 couleurs. Et ben voilà, j'ai la totalité de mes diamants. Donc j'ai les très belles couleurs. Hein. Regardez-moi ce beau vert là. Oh là là, il est magnifique. J'adore ce vert là. Il est superbe. Les verts et les bleus, moi, c'est mes couleurs préférées. Hein. Après, on a un espèce de vert très pâle. Il est très beau celui-là aussi. Après, dans les tons roses, c'est des vieux roses. Hein. Vous voyez, ici, un vieux rose. Ici, encore un vieux rose. Franchement, elle est vraiment belle. Hein.
Donc, ouais, je pense que. Attendez, je vais vous remonter un petit peu pour que vous me voyez, pour que je finisse la vidéo avec vous. Bon, j'ai acheté un nouveau pied, mais il est un peu compliqué ce pied. Voilà. Ah là, c'est mieux, vous me voyez un petit peu. Donc voilà, donc cette toile-là, elle ne sera pas faite tout de suite. Je pense que je vais l'incorporer dans un des défis que j'ai prévu pour l'année, parce que j'ai prévu des défis sur tout le long de l'année scolaire, parce que l'été, j'abandonne, je ne fais plus de défis l'été, parce que c'est trop compliqué. C'est franchement, non, c'est, j'en fais plus l'été. Donc celui-là sera incorporé dans les défis que je vais faire dans l'année. Je ferai, je ne sais pas si je vais la faire tout de suite, peut-être que oui, la vidéo d'explicative pour le défi de l'année, pour que vous puissiez vous inscrire sous la vidéo. Parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui sont intéressées, donc il faut que je sorte ma toile, que je vois un petit peu près avec le calendrier, tout ça, comment je vais faire. Donc je la ferai peut-être en vidéo après si je vois que j'ai un peu de temps. Sinon, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je mettrai les références en cas où ça vous intéresserait de la toile de Huacan. Je mettrai le lien. Si vous avez des questions par rapport à cette toile, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ou. Si vous avez des questions autres sur le DP, il n'y a pas de souci, vous me connaissez, vous allez sur Messenger, vous m'envoyez un petit coucou et j'essaierai de vous répondre. Je réponds toujours, même si ce n'est pas tout de suite, je vous réponds pratiquement tout le temps. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'oubliez pas de partager et de liker. Je vous fais des gros bisous. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye!